J'ai avalé ceux qui confondent l'image de la Lune dans un miroir. Ça, c'est le fichier standard radiance.jpg de Windows. Et ça, c'est ce que moi je fais chaque fois que j'utilise ce fichier-là sur Windows. Bon, ça c'est à Lightning Talk que j'avais déjà fait. Dans ce même Lightning Talk-là, j'avais demandé ceux qui confondent les gnous avec les buffles. Parce que ça, c'est une tête de buffle, même si c'est le logo de GNU. Et donc, suite à mes vacances à Cuba, je me suis aperçu qu'il y avait encore un nouveau bug de culture générale. Je pourrais t'en donner un autre. Bon, la devinette. Quel est l'intrus dans ces dessins? Non, c'est de là, non, ça c'est l'original. Ah, P. On a un truc. Le P. Alors, le P, le C, dollar, c'est le dollar, c'est le point. Tu le connais pas? Tout est. Bon. La réponse, c'est lui qui a la raison. Ça, c'est le peso argentin, le peso chilien, le peso philippin, le peso mexicain, le peso cubain et le dollar américain. Mm-hmm. Donc, bravo, lui, tu avais raison. Bon, j'ai trouvé sur internet ce dessin-là qui montre l'évolution du peso. Et l'évolution du dollar. Donc, en fait, le dollar, c'est un S, ça fait double barre, le peso, ça reste à plus simple barre. Cela dit, quand on prend l'histoire de l'informatique, au début, il y avait des écrans basse résolution et des imprimantes aiguilles. Alors c'était difficile de faire double barre quand on a une matrice de 6 sur 8. C'est pour ça qu'on s'est habitué à faire des dollars à une simple barre. Il y a des cons pour lutter avec Scart. Parfois même, la simple barre n'était même pas dessinée en entier. Bon, alors donc ça s'est produit, je crois, dans les années 60-70. Et du coup, en fait, à part les vieux comme moi, vous tous, sauf des exceptions comme Luc, vous tous, vous êtes habitués à avoir des dollars avec une simple barre. Et si vous cherchez sur Internet, il y a très peu de gens qui disent que une simple barre c'est un peso, une double barre c'est un dollar. Et sur les billets, c'est comment là? Avec deux. Avec deux. J'ai pas vérifié. Voilà, j'ai quand même trouvé un dessin, enfin deux dessins. Bon, je devrais pas parce qu'ils sont pas libres de droit, c'est tout ça là. Et on voit bien le peso mexicain avec une simple barre, le dollar américain avec une double barre. Mais enfin bon, le problème c'est que, comme je disais, les jeunes, la génération après la mienne, ils sont habitués à avoir des dollars avec une simple barre. Donc vous regardez sur Wikipédia, vous regardez ailleurs, tout le monde vous expliquera. Enfin, sur Wikipédia, ils disent. Les origines supposées du dollar, il présente trois origines supposées du dollar avec une simple barre, trois origines supposées du dollar avec une double barre, et ils ne se mouillent pas, ils disent il doit y en avoir une de correcte là-dedans. C'est le no point of view de Wikipédia. Ouais. Bon, alors la conclusion pour nous qui faisons du perle, arrêtons de parler de dollars fausillés.